Parlons du Galaxy S21 Ultra. Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui, comme je vous l'ai montré, on va parler du Galaxy S21 Ultra que je teste maintenant depuis un petit peu plus d'une semaine. Je ne reviendrai pas sur toutes les caractéristiques techniques du Galaxy S21 Ultra, pour ça on a déjà fait une prise en main très complète que je vous invite à rejoindre en cliquant juste ici. Et puis si vous voulez plus de détails que sur cette vidéo, vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description qui vous mènera jusqu'au test écrit. J'ai quand même fait 3000 mots, donc il y a de quoi lire. Balayons également tout de suite les prix, puisqu'on en a déjà parlé. Le Galaxy S21 Ultra est le plus cher des derniers Galaxy S21. C'est normal puisque c'est le plus premium. Mais Samsung a baissé les prix. Du coup, ce Galaxy S21 Ultra est disponible à partir de 1 259 € dans la version 128 Go avec 12 Go de RAM. Vous le trouverez également en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 1 309 €. Et la version la plus premium de toutes intègre 16 Go de RAM et 512 Go de stockage et elle coûte 1 439 €. Dans ce test, je vais donc m'attarder sur certains points et balayer plus rapidement d'autres, puisque ce Galaxy S21 Ultra présente pas mal de similitudes avec son prédécesseur. Samsung s'est contenté, entre guillemets, d'apporter quelques modifications en tenant compte des critiques qui avaient été faites au modèle précédent. Je commence par le plus rapide, les performances et l'interface. Le Galaxy S21 Ultra, comme tout nouveau smartphone haut de gamme, intègre une nouvelle puce. Ici, c'est l'Exynos 2100, puisque vous le savez, en Europe, nous n'avons pas les mêmes puces qu'aux États-Unis. Donc Exynos 2100 en Europe, Snapdragon 888 aux États-Unis. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de tester une puce Snapdragon 888. En revanche, ce qu'on peut dire sur cet Exynos 2100, c'est qu'il se montre ultra performant. Selon nos tests, il est plus puissant qu'une A14 Bionic de l'iPhone 12 Pro. Au-delà des benchmarks, on peut évidemment tout faire avec ce Galaxy S21 Ultra. Toutes les applications les plus gourmandes tournent parfaitement. Les derniers jeux 3D à la mode comme Fortnite, Call of Duty, Asphalt et plein d'autres tournent avec les configurations graphiques les plus élevées sans jamais présenter de signes de fatigue. En gros, ce Galaxy S21 Ultra, c'est un monstre de performance, mais c'est pas vraiment étonnant puisque c'est tous les ans la même chose. Donc c'est pas sur ça qu'on va s'attarder. Pour accompagner cette puce, Samsung mise toujours sur Android avec sa surcouche One UI. Alors on a déjà abordé toutes les qualités et les défauts de One UI dans plein d'autres tests de smartphones Samsung. Cette nouvelle version 3.0, elle épouse en fait toutes les nouveautés d'Android 11. Samsung dit avoir renforcé la sécurité de Samsung Knox, mais il y a surtout beaucoup moins d'applications préinstallées au lancement de ce Galaxy S21 Ultra. Et ça, c'est très très intéressant, puisque finalement, c'est le seul vrai reproche qu'on peut faire à One UI. Alors on aime ou on n'aime pas, mais la surcouche, elle est très complète, elle est fluide. Samsung a bien pensé les gestes. On peut, de n'importe quel endroit de l'écran, par exemple, faire défiler les paramètres rapides. Il y a énormément de fonctionnalités de personnalisation. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut, de l'audio, de l'affichage. Tout est disponible sur One UI. C'est accessible très facilement. Tout est lisible. Bref, selon moi, c'est l'une des meilleures surcouches Android à ce jour, avec Oxygen OS de OnePlus, qui pour le coup mise sur une autre approche plus minimaliste. Mais dans les deux cas, c'est vraiment du très bon boulot. Parmi les critiques qu'on avait pu voir sur le Galaxy S20 Ultra, le format, le poids et le design en général ne figurait pas parmi ses gros points forts. Avec ce Galaxy S21 Ultra, Samsung corrige le tir et de très belle manière. Très franchement, le design, c'est l'un des plus gros points forts du S21 Ultra et je vais vous dire pourquoi. Alors la face avant, elle ne change pas beaucoup en fait par rapport à d'autres smartphones. En même temps, on ne peut pas réinventer la roue. Le S21 Ultra, il arbore un écran légèrement incurvé, moins que sur les précédentes versions, mais suffisamment pour pouvoir avoir une intégration vraiment aux petits oignons. Samsung reprend la dalle poinçonnée au centre comme sur le Note 20 Ultra et il recouvre le tout d'un verre Gorilla Victus de Corning qui est le plus résistant à l'heure actuelle. Donc pas de grosse révolution hein, sur la face avant. En fait, l'originalité du S21 Ultra, elle se situe au dos. Samsung a misé sur une coque en verre mat qui chasse complètement les traces de doigts et qui est vraiment très agréable au toucher. Et je ne parle même pas de l'esthétique, puisque notre modèle Phantom Black,
qui est juste ici, c'est vraiment une petite merveille. Alors le gros problème des smartphones aujourd'hui, c'est qu'ils intègrent beaucoup de capteurs et de grosses tailles. Et Samsung a trouvé une idée plutôt sympathique pour intégrer tout ça à son design. Le module photo rectangulaire qui se situe dans le coin supérieur, il épouse désormais les bordures du smartphone et cet effet plongeant apporte une homogénéité à l'ensemble. On n'a plus l'impression d'avoir cette grosse verrue au dos du smartphone qui n'a aucune allure. Très franchement, ce choix esthétique est audacieux, Samsung l'assume complètement. Le constructeur nous a expliqué que pour lui, c'était un marqueur de différence. Alors, on aime ou on n'aime pas. Chacun aura son avis sur la question. En tout cas, ici, on trouve vraiment ça malin et très, très réussi. Alors Samsung a revu très légèrement les dimensions et le poids du smartphone, mais ça reste quand même un modèle très très imposant et très lourd. Il pèse quand même 228 grammes, donc on le sent bien dans la poche. Et d'ailleurs, sa taille dans une poche, elle va parfois être un petit peu dérangeante. On n'est pas tout à fait confort quand on l'a dans une petite poche de jean même large. Donc vous êtes prévenus, le S21 Ultra, c'est un beau bébé. Malgré tout, à l'utilisation, il est quand même très confortable. La conception, les finitions, tout a été bien pensé et aujourd'hui, à condition d'aimer bien sûr les smartphones qui sont quand même imposants, ce S21 Ultra est selon nous le plus réussi et le plus agréable à utiliser parmi les géants. D'un point de vue plus subjectif, je peux le dire, ce S21 Ultra m'a complètement séduit. Selon moi aujourd'hui, c'est le modèle où les designers ont fait le meilleur boulot. Le traitement de la coque est soigné, les finitions sont exemplaires, l'intégration des différents éléments pareil, c'est exemplaire. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Et je crois que par rapport au S20 Ultra l'année dernière, on a l'impression de passer d'un prototype à un modèle vraiment fini. Donc franchement, chapeau. Alors ces bonnes impressions sont renforcées bien évidemment par l'écran de ce S21 Ultra. On connaît le savoir-faire de Samsung. C'est lui qui fabrique toutes les dalles OLED pour tous les autres constructeurs. Donc on a l'habitude, Samsung fournit toujours des smartphones avec des écrans magnifiques. Ce S21 Ultra, forcément, il hérite de ce savoir-faire. Il intègre une dalle de 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, compatible HDR10+, et le tout avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Alors, les deux principales différences par rapport au S21 et S21 Plus, c'est que ce modèle Ultra, il affiche les contenus en Quad HD, alors que les autres doivent se contenter de Full HD. Et pour la première fois, il peut cumuler QHD+, et 120 Hz, c'était un point qui avait suscité pas mal de critiques sur le S20 Ultra l'année dernière. Alors attention, c'est du 120 Hz adaptatif, c'est-à-dire que l'affichage va s'adapter au contenu que vous avez sur l'écran. Donc lorsque vous scrollez sur les réseaux sociaux, c'est du 120 Hz par exemple, mais si vous êtes dans des applications où il n'y a pas besoin de 120 Hz, eh bien le smartphone passera automatiquement sur du 60. Ça permet de profiter d'un affichage optimal tout en économisant de l'énergie. Mais j'y reviendrai après. Bon bah là encore, je vais pas traîner, hein. De toute façon, on connaît le savoir-faire de Samsung dans les écrans. Celui du Galaxy S21 Ultra, c'est une pure merveille. Alors par défaut, il est configuré avec des paramètres d'affichage vifs et ça a tendance à tirer un petit peu sur le bleu. Je conseille de passer sur un affichage plus standard et peut-être de passer par les réglages de température et de colorimétrie puisqu'ils sont disponibles dans les paramètres. Mais dans tous les cas, il n'y a aucun doute, l'écran de ce Galaxy S21 Ultra va sans doute s'imposer comme le meilleur du marché. En tout cas, pour quelques mois, c'est sûr. Alors, parmi les grosses critiques sur le S20 Ultra l'année dernière, l'autonomie était sans doute le point le plus problématique. En fait, l'année dernière, les utilisateurs américains expliquaient que leur S20 Ultra avait une très bonne autonomie. Et pourtant, en Europe, nos modèles avec des puces Exynos, eux, étaient vraiment à la ramasse et on pouvait même pas finir une journée avec le S20 Ultra. Donc cette année, Samsung a expliqué que l'Exynos 2100 avait été conçu en tenant compte des critiques faites et des différences par rapport au modèle américain. Et la bonne nouvelle, c'est que les ingénieurs ont bien travaillé. Parce que ce S21 Ultra, il figure dans le haut du panier en termes d'autonomie. Samsung le qualifie de marathonien sur son site officiel. Bon, on est plus proche quand même du coureur de 20 km. Donc en moyenne, pour une utilisation assez poussée, j'ai pu tenir une journée et demie avant de devoir passer par la case recharge. Alors c'est pas le meilleur, c'est pas le smartphone le plus endurant, mais on peut aujourd'hui dire que ce S21 Ultra a une très bonne autonomie. Les utilisateurs plus modérés pourront même passer à 2 jours d'utilisation s'ils activent le mode d'économie d'énergie. En revanche, tous ceux qui bourrinent un peu sur la photo, la vidéo et sur le jeu devront passer par la case recharge tous les soirs. La recharge, parlons-en, c'est la polémique de cette année. Comme Apple, Samsung a expliqué qu'il ne livrait plus ses smartphones avec un chargeur. L'explication selon le coréen, c'est que ne plus fournir de chargeur, eh bien, ça fait du bien à la planète. C'est une démarche environnementale. Alors on a fait une vidéo sur ce sujet que vous pourrez retrouver juste ici.
Je vous invite à la regarder, bien sûr, et vous aurez plus d'explications sur notre avis sur cette stratégie ou sur cette nouvelle tendance de 2021. Je vous préviens, on n'est plutôt pas d'accord avec la démarche. Donc, il n'y a pas de chargeur fourni, mais Samsung explique que le S21 Ultra peut se recharger avec des chargeurs de 25 watts. On a donc utilisé un chargeur de 25 watts et le constructeur promet de gagner 50% d'énergie en 30 minutes. C'est bon, on est dedans. En moyenne, on a rechargé le smartphone à 50% en 30 minutes. Une charge complète, elle dure un petit peu plus d'une heure. On tourne aux alentours d'1h15, ce qui est tout à fait correct. Bien sûr, il y en a d'autres qui font beaucoup mieux. Je pense à Oppo, à OnePlus ou à Xiaomi. Mais bon, ça reste très bien pour un smartphone haut de gamme. Et puis bien évidemment, est-ce que je dois vraiment le préciser, le S21 Ultra peut se recharger en sans fil jusqu'à 15 watts et peut aussi recharger des petits accessoires grâce à la charge inversée. Vous le savez sans doute, un smartphone haut de gamme pour se démarquer doit intégrer un appareil photo irréprochable. Le S20 Ultra était déjà très bon, mais il y avait quand même quelques petites choses à améliorer. Donc Samsung a tout simplement repris l'essentiel du matériel photographique du S20 Ultra et a apporté quelques petites nouveautés. Alors le capteur principal de 108 mégapixels est un petit peu plus grand et capte plus de lumière. L'objectif périscopique qui va permettre de photographier en zoom x10 s'accompagne maintenant d'un téléobjectif permettant de photographier avec des zooms 3x. Et l'ultra grand angle, lui, ne change pas. Le tout s'accompagne d'un laser autofocus et de toutes les dernières technologies en vogue. Lors de la présentation du S21 Ultra, Samsung nous a expliqué que l'essentiel des améliorations était plutôt logiciel. Donc les ingénieurs ont travaillé sur le traitement numérique de l'image. Et c'est là que l'Exynos 2100 joue un rôle très important. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a des processeurs toujours plus puissants pour pouvoir non seulement traiter numériquement les photographies, mais également les vidéos, car c'est sur ce point que Samsung a beaucoup travaillé également, mais j'y reviens juste après. Donc tout ce matériel photographique, qu'est-ce que ça donne? Alors, deux jours dans des bonnes conditions de luminosité, sans surprise, je n'ai rien à reprocher à ce Galaxy S21 Ultra. Le capteur principal fait son boulot, en ultra grand angle, c'est top, avec une bonne gestion de la distorsion et une bonne conservation des détails. Alors, il y a quand même un petit truc à la limite que certains pourront reprocher, c'est que Samsung a tendance à un petit peu forcer sur les contrastes et la saturation, ce qui nous donne cette fameuse Samsung Touch avec des couleurs bien pétantes qui font un carton sur Instagram, mais que les puristes apprécieront moins. Mais ça, c'est qu'une question de goût, donc vraiment, dans de bonnes conditions de lumière, rien à dire, le S21 Ultra, il est excellent. Je le disais précédemment, la principale attraction de ce S21 Ultra, c'est l'intégration de deux téléobjectifs qui permettent de faire des zooms x3 ou x10, et chaque objectif va permettre de shooter à ces distances de manière distincte. Donc il y a un objectif pour un type de zoom. Jusqu'à maintenant, Huawei était la référence ultime sur ce type d'exercice, mais le Galaxy S21 Ultra l'a rattrapé. Très clairement, les photos shootées avec le zoom x3 ou le zoom x10, elles sont tout simplement hallucinantes. La conservation des détails est folle, le rendu global est homogène, c'est-à-dire qu'entre les photos prises avec le grand angle, l'ultra grand angle, le zoom x3 ou le zoom x10, on a toujours le même rendu et ça c'est vraiment impressionnant. Alors Samsung propose ici un zoom hybride x30 et un zoom numérique x100. Alors si le zoom hybride x30 dans de bonnes conditions de lumière, il est étonnamment bon, bon le x100 il reste anecdotique. Je sais ce que vous vous dites, de jour, c'est facile pour les smartphones ultra haut de gamme. Et de nuit, qu'est-ce qu'il vaut alors ce S21 Ultra? Eh bien, je vais vous le dire. Là encore, il est excellent, tout simplement. Désormais, le mode nuit que vous n'aurez même pas à activer manuellement puisque le logiciel le détecte automatiquement, fonctionne sur chaque optique. Donc, que vous shootiez avec le grand angle, l'ultra grand angle, le zoom x3, le zoom x10, vous pourrez utiliser le mode nuit. Et très franchement, les résultats sont stupéfiants, notamment sur la conservation des détails, sur le rendu des couleurs et sur la luminosité. Enfin bref, tout est très bon. Samsung a fait un excellent travail. Et je soulignerai que le constructeur parvient à maîtriser les sources de lumière qui ont tendance à poser problème aux iPhones, par exemple. Je rappelle que sur l'iPhone, dès qu'il y a des lampadaires ou des lumières un petit peu fortes, on a tendance à avoir du flair sur les photos. Là, sur ce S21 Ultra, ça n'existe absolument pas. Donc ça, c'est du très bon travail. En réalité, le seul domaine dans lequel ce S21 Ultra présente quelques petites faiblesses, c'est celui du portrait. Alors si le détourage est très propre, le problème vient du bokeh qui est beaucoup trop artificiel pour pouvoir rivaliser avec la référence qui est encore l'iPhone 12 Pro. Alors on retrouve aussi ce problème sur l'autoportrait, donc sur les portraits shootés avec le capteur frontal. Alors c'est un petit peu dommage parce que Samsung a les moyens de faire quelque chose de propre sur les portraits. On espère qu'une mise à jour pourrait éventuellement corriger ça.
En attendant, c'est un petit peu trop artificiel. Mais bon, on chipote un peu, hein, mais en même temps, c'est un smartphone ultra premium. Donc, bon, ce petit défaut n'empêche pas ce S21 Ultra de s'imposer comme l'un des meilleurs photophones du marché à l'heure actuelle, aux côtés des derniers iPhone, des derniers smartphones de Google, mais également et surtout aux côtés des derniers smartphones très haut de gamme de Huawei. Mais après avoir d'année en année amélioré la qualité photographique des smartphones, Samsung s'attaque désormais à la vidéo. Et par rapport au S20 Ultra, qui déjà inaugurait pas mal de nouveautés, ce S21 Ultra est encore meilleur. Alors, il peut toujours filmer en 8K à 24 images par seconde, mais sans stabilisation optique. Pour moi, filmer en 8K, ça n'a d'intérêt que pour recadrer l'image en 4K. Parce qu'en France, aujourd'hui, il doit y avoir 4 mecs qui ont une télé 8K, donc bon. Du coup, ce que je recommande, c'est plutôt de tourner en 4K jusqu'à 60 images par seconde, en 1080p jusqu'à 120 images par seconde, et notez qu'en 1080p à 60 images par seconde, on peut désormais activer le mode super stabilisation qui, lui, pour le coup, est... Hormis ces améliorations techniques, Samsung a beaucoup parlé du mode réalisateur et on comprend pourquoi. Ce mode réalisateur va permettre en fait de filmer à la fois avec la caméra frontale et les caméras dorsales, et je dis bien les caméras dorsales, parce que pendant le tournage, on peut basculer de la caméra grand angle à l'ultra grand angle ou au téléobjectif. Et tout ça en temps réel. Alors clairement, ce mode, il va ravir les vlogueurs, et plutôt que faire un long discours, je vous propose de voir ce que ça donne. Et là, on passe en mode réalisateur, donc le nouveau mode du S21. Vous avez d'un côté le selfie, donc vous me voyez, et en même temps, ce que je suis moi en train de voir. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien avec la circulation, ça permet de voir un petit peu aussi ce que vaut le micro. Donc, en gros, je peux me voir et voir ce qu'il y a plus loin. Je peux basculer, donc c'est-à-dire voir le selfie sur le grand écran et dans le petit cadre, ce que je vois au loin. Et je peux surtout basculer d'un objectif à l'autre. Donc là, je suis sur l'objectif, le capteur principal. Je peux aussi passer sur le zoom, voilà, et je peux revenir sur le capteur principal ou passer sur l'ultra grand angle. Donc tout ça, ça se fait de manière fluide, ça s'enchaîne, et je peux passer du zoom à l'ultra grand angle en 2-2, hein. Il n'y a rien qui change. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui devrait ravir les blogueurs, et j'ai failli me faire écraser. Donc un petit coucou à Pépé Garcia qui lui devrait adorer ça. Salut Pépé. Et moi, je reviens du coup à la vidéo de test. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Donc tout ça pour vous dire qu'en matière de photographie, le S21 Ultra est l'un des meilleurs. Et en vidéo, il vient même se frotter à Apple, qui est la référence absolue en matière de vidéo sur smartphone. Mais si Apple conserve une longueur d'avance sur la stabilisation des images, eh bien Samsung le surclasse par sa créativité. Et voilà maintenant l'heure du bilan. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce S21 Ultra? D'un point de vue purement subjectif, je ne suis pas un utilisateur fan des smartphones géants. Et pourtant, ce S21 Ultra m'a vraiment conquis parce que la prise en main reste agréable malgré un poids relativement lourd et des dimensions qui restent quand même imposantes. Attention, si vraiment vous n'aimez pas les smartphones géants, il faudra plutôt vous tourner vers le S21 ou le S21 Plus. Sinon, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce S21 Ultra en lui-même, hein. Il est magnifique, son écran est sublime, les performances sont au top. Samsung a corrigé le problème d'autonomie, donc il est endurant. Il se recharge assez rapidement, il y a la recharge sans fil, la recharge inversée. Et surtout, c'est un cadre de la photo et de la vidéo. Donc en fait, il est presque parfait ce smartphone. En plus, Samsung a amélioré aussi le lecteur d'empreintes sous l'écran, beaucoup plus rapide, plus réactif et qui selon moi peut maintenant rivaliser avec Face ID sans souci. Et le smartphone est compatible avec le S Pen, donc on va pouvoir même faire de la prise de notes à condition bien sûr soit de s'équiper d'un ancien stylet, soit d'un acheter un en accessoire. Donc vraiment ce smartphone est ultra complet et en soi, pour moi, c'est quand même la nouvelle référence du marché. Alors pourquoi il est presque parfait et pas parfait? Parce que son format lourd et imposant, je le disais précédemment, ne conviendra pas à tout le monde. Parce que le chargeur n'est plus fourni pour des raisons environnementales. Mais bon, ces raisons environnementales, j'ai du mal à y croire. Et enfin, il est presque parfait et pas parfait parce qu'il coûte quand même très cher. À partir de 1 259 €, ça fait quand même une facture assez élevée qu'il réserve à un public aux finances confortables. Voilà, ce test du Galaxy S21 Ultra est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est disponible. Encore merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.